un mot kits, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir et pour leur troisième participation, Aurélien et Cédric. Et aujourd'hui, ils seront opposés à Gilles et Sonia. Allez, on est ravis d'accueillir sur ce plateau, tous les jours à la même heure sur France 2, Thierry Beccaro. Et ben voilà. Ouais. Et moi, je suis très, très heureux de rentrer discrètement. Je m'installe un petit peu dans votre salon. Je ne sais pas où vous êtes exactement, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Nous partageons des moments formidables en ce moment avec des jumeaux, Cédric et Aurélien. Vous allez bien? Ça va bien, et vous? Bon, c'est la troisième participation. Troisième et dernière. Et pour l'instant, rien. Pour l'instant, deux super parties, pas de gains. Pas de cagnotte pour l'instant. Question qu'on pose souvent quand on rencontre des jumeaux, quels sont les points sur lesquels on reconnaît que vous êtes vraiment des jumeaux quand l'un est malade, l'autre est malade également. Qu'est-ce qu'il y a, comme ça des... Vous ressentez le désarroi de l'autre quand... Alors, c'est peut-être le cas chez beaucoup de jumeaux. Après, chez nous, ça a toujours été un petit peu l'inverse. Enfin, nos parents ont toujours essayé de nous différencier malgré tout, de nous habiller différemment, etc. On les en remercie d'ailleurs. Et donc, du coup, bah, voilà, on cultive un petit peu plus la différence et on n'est pas trop comme les jumeaux des émissions. Il faut vraiment se ressembler, quoi. D'accord, très bien. Donc, si j'avais pu, comment vous dire, éviter cette question, c'était mieux. Non, mais quand même, Thierry, ils se complètent très bien quand ils jouent à Motus. Voilà. On l'a vu. C'est-à-dire que s'ils perdent, ils vont perdre ensemble. Ça. Et s'ils gagnent, ils gagneront ensemble. Et ça, c'est un point commun et là, personne ne pourra leur enlever. Même vos parents, je suis désolé. C'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour cette précision. Sonia, bonjour. Bonjour. D'où venez-vous? Je viens d'un petit village près de Toulouse. Et le village s'appelle comment? Il s'appelle Beaupuy. C'est magnifique. C'est un joli nom. Magnifique. Et vous êtes combien dans ce village? On est 1200 à peu près. Et voilà, parce que voilà, ils vous regardent là en ce moment. Petite commune. Et ben voilà, ils sont ravis qu'on parle d'eux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sonia? En ce moment, je cherche un emploi, donc du coup, j'en profite pour m'occuper de mes quatre enfants. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais. C'est un job à plein de temps déjà. Bon, vous travaillez dans quel domaine normalement? Dans le secrétariat. Le message est passé. Bonjour Gilles. Bonjour Thierry. Ça va bien? Oui, super, merci. Vous arrivez d'où? Alors, j'arrive d'un petit village de 350 habitants, encore plus petit, Mirande dans le Gers. Ah ben, c'est super. Mirande dans le Gers, hein, je précise. Et vous travaillez dans quel univers, vous, Gilles? Je suis éducateur. Je travaille avec des jeunes autistes. Ah, voilà encore des gens formidables. Voilà, je reçois régulièrement sur ce plateau des gens formidables. Ben nous, on a un jeune autiste qui vient jouer de temps en temps avec nous. Je vais l'embrasser. J'avais pu le rencontrer. Nino. On va embrasser Nino parce que je sais que c'est un fidèle et qu'il regarde régulièrement l'émission. Merci d'être avec nous, tous les quatre. Voici les grilles pour commencer la partie. Sonia, Gilles, vous attendez un numéro magique. Il arrive. Et ce sera le numéro 35. Aurélien, Cédric, voici votre grille. Numéro magique, le numéro 20. Le montant de la cagnotte aujourd'hui, Myriam? Eh bien, le montant de la cagnotte aujourd'hui est de 3000 euros. Bonne chance à vous. Gilles, vous aviez le choix des mots de 7, 8, 9 ou 10 lettres? Nous avons choisi des mots de 8 lettres. Eh bien, tout est prêt pour vous, Gilles, Sonia. Bonne chance. Merci. Voici la lettre B. Bouderie, B-O-U-D-E-R-I-E. Merci. Boisseau, B-O-I-S-S-E-A-U. Braderie, B-R-A-D-E-R-I-E. Ah oui. Broderie, B-R-O-D-E-R-I-E. Vous voyez, ça c'est le haut qui était dans la grille. Oui. Donc braderie, on aime bien, hein, mais le haut était juste là, il n'y avait plus qu'à le placer. C'est bravo, vrai. Sonia, vous mélangez s'il vous plaît. Le 61. Gilles. Le 23.
Et c'est encore à vous de jouer, Gilles. Vous allez jouer avec la lettre T. Tapenade, T-A-P-E-N-A-D-E. Trouvant, T-R-O-U-V-A-N-T. Trompé, T-R-O-M-P-T-E-E. Qu'est-ce que j'ai dit là? Chérie, je suis désolé, mais... Je me suis trompé. Je t'ai trompé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien à ce que tu me dis. Je t'ai trompé. J'en suis désolé. Bon, voilà, donc bon. Vous perdez la main. Ah oui, oui. Alors, si vous regardez bien la grille, ben maintenant vous la voyez, hein, y a quand même quelques lettres qui peuvent vous permettre de trouver le mot qu'à mon avis Aurélien a déjà trouvé. Voici la lettre E. Troupeau, T-R-O-U-P-E-A-U. Aurélien, vous mélangez s'il vous plaît. Le 16. Cédric. Ben voilà. Oh. On voudrait les éviter, mais bon, voilà. J'ai du mal à les éviter, ouais. Ah, Gilles. Oui. Allez, on y va, il faut marquer en trouvant ce mot commençant par G. Gouaille, G-O-U-A-I-2-L-E. Guimauve, G-U-I-M-A-U-V-E. Grimace, G-R-I-M-A-C-E-S. Grillon, G-R-I-2-L-O-N-S. Eh ben voilà. Bravo. 100 à 50, vous avez 50 points d'avance, allez-y Sonia. Une de moins. Voilà, c'est comme pour Aurélien et Cédric. C'est ça. Sauf que maintenant, c'est Aurélien qui joue avec la lettre A. Aoutien. A-O-U-T-I-E-N-S. Aviateur. A-V-I-A-T-E-U-R. Arrangé. A-2-R-A-N-G-E. Pardon. Et c'est trop court, malheureusement. Attention, Gilles, la lettre bonus, elle arrive. C'est un Q. Aquarium, A-Q-U-A-R-I-U-M. Bravo. Vous mélangez, Gilles, s'il vous plaît. Le 11. Sonia. Le 69. Allez, pour arriver à 200 points, Sonia, il faut trouver ce mot qui commence par la lettre S. Servante. S-E-R-V-A-N-T-E. Service. S-E-R-V-I-C-E-S. Sérieuse, S-E-R-I-E-U-S-E. Serpette, S-E-R-P-E-D-T-E. Et vous avez 200 points à présent et plus, Sonia, si vous prenez le 57. Le 5. Le 3, ce serait pas mal. Également, Gilles. Le 25. Eh bien, nous continuons avec Sonia. Nous cherchons un mot de 8 lettres, commençant par la lettre V. Virginal. V-I-R-G-I-N-A-L.
Vendange, V-E-N-D-A-N-G-E. Non. Non, je suis en blanc. Désolée. Là, vous cherchiez le mot, là. Non, j'étais en blanc. Voilà, dans ces cas-là, c'est vrai. Si vous pouvez, vous proposez un mot et Gilles s'occupe du reste. Évidemment. Bon, c'est Aurélien qui va récupérer la lettre bonus. La voici. C'est la lettre O. Vergogne. V-E-R-G-O-G-N-E. Il y a un petit souffle, là, hein, j'ai l'impression, Aurélien. Putain, j'y suis pas. Il a patiné, oui, il a patiné, oui. On est d'accord, hein, Olivier? Ouais, bah, c'est pas Olivier qui va me dire le contraire. T'as dit comme ça, là. Hésitation. Désolé, Aurélien. Tant pis. Vous réglerez ça, il n'est pas très grand. Ça peut s'arranger. Bon, il est quand même... Il trappe plus. Oui, oui. Bonne chance. Gilles, la lettre bonus, la voici. Vergogne, V-E-R-G-O-G-N-E. Ah, désolé. Ah là, j'ai pas tout suivi, mais bon, le 35, allez-y, vous mélangez, s'il vous plaît. Sonia ou... Ah oui, Sonia, oui, pardon, oui, c'est moi. Allez-y. Le 45. Qu'est-ce que vous m'avez mis dans le café? 43. Ah, tout c'est faire. Donc vous avez décidé de faire le tour de la grille. C'est ça. Avant de marquer 100 points de plus. Sonia, voici la lettre P. Pour pied. P-O-U-R-P-I-E-R. Paupière, hein. P-A-U-P-I-E-R-E. Bon, ça fait 300 à 50. Sonia, allez-y, il y a quand même quelques numéros à prendre. Le 3. Eh ben voilà. ...400 points pour Sonia et Gilles, 50 pour Aurélien et Cédric. Ça risque d'être compliqué, la partie n'est pas terminée, messieurs. Nous changeons les grilles et nous jouons avec vous juste après, Sonia. Bon, Gilles, bon, un peu tendu au oui, début. Un petit peu. Mais là, ça va, là. Vous êtes rassuré. Pas mal, ça va. 400 ouais. points, c'est pas mal. Ça va. Allez, nous continuons la grille d'Aurélien et de Cédric. Nous cherchons toujours des mots de 8 lettres et c'est Sonia qui joue avec la lettre C. Chevaux. C-H-E-V-E-A-U-X. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une espèce assez particulière. Oui. Parce qu'ils sont... Ça vient de sortir. C'est un cheval. Ah, je suis dé... Mais bon, il est comme ça avec des cheveux. Ou un chignon. Voilà, ou un petit chignon comme ça, donc ça fait chevaux. C'est une espèce de contraction, de compromis. Mais non, mais... Désolée. Sonia, il y a qu'ici sur ce plateau que ça peut arriver, ce genre de choses. Donc évidemment, moi je me précipite pour vous taquiner et faire le malin, parce que voilà, parce qu'on a besoin de ça, quoi. Puis il faut qu'on se marre un peu, parce que si je me mets... imaginez l'inverse, vous faites chevaux. Mais ça va pas ou quoi? Chevaux avec un E. Alors mais ça me rend dingue. Alors, ben, c'est pas écrire cheval, un cheval des chevaux. Non, mais attendez, Sonia, c'est pas possible, ça, franchement. Donc, les mecs qui prennent l'émission là, à cet instant-là, ils se disent oh, putain, Beccaro, il engueule les candidats et tout, c'est une horreur. Alors qu'elle sait, Sonia, que je taquine. Le mec, il s'en fout, c'est tout. Mais... C'est... Donc, c'est mieux que je vous taquine. Ouais, si je faisais ça, c'est pas possible. Sans problème. Quoi. Enfin, quand même, c'est pas. C'est pas génial. C'est pas génial. Hein. Enfin, bon. Mais le silence qu'il y a sur le plateau, les gens sont quand même un peu... Bon, Aurélien, qu'est-ce que vous me proposez? De partir? Ah bah d'accord, sympa. Pas encore. Allez, la lettre bonus. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E.
Chignon, C-H-I-G-N-O-N-S. Cheminée, C-H-E-M-I-N-E-E. Cheville, C-H-E-V-I-2-L-E. Bon, je suis très très embêté parce qu'il paraît que j'aurais dit un gros mot. Et je tenais à vous présenter toutes mes excuses. 50 euros dans la cagnotte. Ouais, je voilà. Mets, allez, je rajoute 5 euros parce que c'est... allez, je mets 55 et voilà, et la prochaine fois on bipera, voilà, comme ça, comme aux États-Unis. Voilà. Vous avez remarqué, aux États-Unis on bip hein, dès qu'il y a un gros mot et tout. Pardonnez-moi, vous mélangez s'il vous plaît, Aurélien. 38. Cédric. 50. Non, non. Oui, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal derrière? Non, Thierry, vous n'avez rien fait. Je vous annonçais juste que c'était l'heure du dernier mot. Voilà. Le dernier mot, il est pour Aurélien. C'est le mot qui rapporte 100 points, Aurélien, et qui commencera par la lettre N. Nouveau. N-O-U-V-E-A-U-X. Nocturne, N-O-C-T-U-R-N-E. Nuisible, N-U-I-S-I-B-L-E. Nuisante, N-U-I-S-A-N-T-E. Ça se dit pas? Ah, c'était nuisance. Bon, de toute façon. Non, il y a hésitation. Ça n'existe carrément pas. Ouais, c'est tenté, c'est tenté. Bon, Gilles, la lettre bonus, la voici. Nuisance, N-U-I-S-A-N-C-E. Bon, alors c'est fin d'une première partie, un petit peu, un peu surréaliste. Hein. Enfin bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, tous les quatre en tout cas. Oh. Ça n'est pas terminé pour Sonia et Gilles, qu'on va applaudir très très fort et qu'on va retrouver en super partie. Merci. Merci Cédric, merci Aurélien. Merci beaucoup pour ces trois participations. Voici des cadeaux pour vous regarder. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Exel.fr, vente en ligne de sacs, maroquinerie et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Exel.fr, des bagages pour tous. Voilà, encore un autre point commun qui vous relie avant qu'on aille en super partie. Vous êtes arrivés ensemble? On part ensemble. Eh bien, vous repartez ensemble. Merci beaucoup, Cédric. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Aurélien. Merci. Allez, la super partie, elle peut rapporter aujourd'hui, on en est à 3000, c'est ça? Ah oui, c'est pas mal. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@francetv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le lundi 13 novembre à Paris, le 16 à Belfort, le 17 à Metz, mais aussi le samedi 18 novembre à Strasbourg. Alors n'hésitez pas à y composer à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv rubrique Motus. Sonia, Gilles, vous êtes en super partie, il y a 3000 euros à gagner si vous trouvez 10 mots de 8 lettres en 4 minutes et 30 secondes. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Validant, V-A-L-I-D-A-N-T. Valideur, V-A-L-I-D-E-U-R. Vaudoise, V-A-U-D-O-I-S-E. Validité, V-A-L-I-D-I-T-E. Bien sûr. Recevoir, R-E-C-E-V-O-I-R. C'est bien, ouais.
Musicien. M-U-S-I-C-I-E-N. Mascotte. M-A-S-C-O-2-T-E. Ouais, c'est bien ça. Papillon. P-A-P-I-2-L-O-N. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N. Pullulé, P-U-2-L-U-L-E-R. Certifié, C-E-R-T-I-F-I-E. Confite, C-O-N-F-I-T-E-S. Confetti, C-O-N-F-E-T-2-T-I. Confetti, C-O-N-F-E-2-T-I. Ah, bien. Sournois, S-O-U-R-N-O-I-S. Servante, S-E-R-V-A-N-T-E. Sauvage, S-A-U-V-A-G-E-S. Saugrenu, S-A-U-G-R-E-N-U. C'est bien. Division, D-I-V-I-S-I-O-N. Dégivré, D-E-G-I-V-R-E-R. Épanoui, E-P-A-N-O-U-I-E. Enrhumé, E-N-R-H-U-M-E-E. Bravo, bravo, bravo. Fournaise, F-O-U-R-N-A-E, non, c'est pas bon. Fragile. Flanelle, F-L-A-N-E-2-L-E. Foutoir, F-O-U-T-O-I-R-S. Flancher, F-L-A-N-C-H-E-R. Flon, flon, F-O-L-L-N, F-O-L-N. Alors c'est après. Oh là là là. Balayage, B-A-L-A-Y-A-G-E. Ah ben là, j'étais juste à côté de vous. Tout le monde dans le public, les gens chez eux ont trouvé. Ça, c'est un des classiques. Hein. Bon, c'est vrai qu'on avait que le haut, mais enfin bon. C'était pas un mot qui m'a parlé. Et vous l'avez trouvé, mais juste à, après. Juste après. Les deux hauts, là. Oui. Bon, en tout cas, pas mal. Hein. 9 sur 10. Et vous revenez. Très bien. Super. Avec Sonia, Gilles. Et la prochaine fois, il y aura 4000 euros à gagner. Passez une belle journée. Merci. Revenez-nous en pleine forme. Et nous aussi, vous pouvez nous faire confiance. Nous serons en pleine forme pour vous accueillir. À bientôt. Merci. Pour continuer de jouer à Motus, vous entraîner ou défier vos amis, retrouvez nos applications sur votre mobile ou votre tablette.